Jean 1er verset 14, il voulait faire nous comprendre que la raison de son incarnation, Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Jésus a besoin humain, Jésus a besoin de sembler à l'homme pour être capable de révéler à Dieu à l'homme. Pour être capable de voir un exemple de vie, selon 1 Pierre 2, verset 21, pour pouvoir un sacrifice pour les péchés, Hébreux 10, verset 10, afin que le Seigneur puisse détruire les œuvres du diable. C'est peut-être ça, c'est pour raison ça que tu as besoin incarner, et peut-être ça que tu as besoin manifester dans ton corps. Selon 1 Jean 4, verset 5. L'homme a besoin de Jésus-Christ comme seul médiateur entre l'homme et Dieu. 1 Timothée 2, verset 5. L'homme te besoin yon vrai chemin et yon seul chemin qui c'est Jésus-Christ, chemin qui mène à Dieu, selon Jean 6, verset 14. Deuxième partie, qui c'est l'humanité de Jésus-Christ. Et bon, comme nous connaissons selon 4 Évangélio, yo chaque présenté Jésus nan yon Jean ou bien non façon. Par exemple, l'aime de non Jean non façon, yo présenté Jésus-Christ nan Matthieu, yo présenté Jésus-Christ comme moi et nan Luc, yo présenté Jésus-Christ comme les serviteurs ainsi que les autres et des autres évangiles. Alors, sa naissance de Jésus-Christ, et nous capables de lire Luc 2, verset 11. Jésus est un enfant monoparental. Jésus avait un seul parent humain. Il avait une mère terrestre. Et selon Jean 2, verset 11 et Luc 2, verset 33-34. Prophétie de sa naissance. N'a jeune ça depuis dès le commencement de l'Ancien Testament. C'est dans Genèse 3, verset 15, qui te getan a parlé de naissance de Jésus-Christ, semence de la femme, développement de Jésus-Christ dans Luc 2, verset 20. L'enfant croisait en stature, en grâce et en sagesse. Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Jésus, comme un humain, n'a jamais péché. Sorry. Jésus, comme un humain, n'a jamais péché. Hébreux 4, verset 15. Puisque les 100% humain, les guéchés, les tentés, en toutes choses. Mais li pa jamais commettre péché. Et ou même qui trouvez yon tentation, c'est vous ou ka tenter. Mais ou pas doué comme si des tenter ou pas doué comme si tomber en bas tentation ça. Parce que Jésus comme modèle nous et guide nous, il était tenté en toutes choses. Troisième partie, c'est preuve de l'humanité de Christ. C'était engendré selon la chair, selon Galates 4:4. Il a grandi comme tout humain, en stature, en sagesse et en grâce. Selon Luc 2, verset 52. Il a été vu et touché par les hommes. Jean 8, verset 9 à 17. Il a vécu
sans péché, bien qu'il a eu un corps. Hébreux 4, verset 15. Il avait une âme. Matthieu 26, verset 38. Il avait un esprit. Luc 23, verset 46. Comme humain, il avait ses limites. Et nous-mêmes chrétiens, nous avons besoin de limiter, de côté de pas pour nous, de côté nous pas de aller. Il avait faim, Matthieu 4, verset 2. Il avait soif, Jean 4, verset 7. Il était consacré, il est fatigué. Ou même qui pas qu'à fatigué. Mais Jésus lui-même le constate, il est fatigué. Jésus t'a crié. Jésus pleura, Jean 11, 35. Il a été tenté par les diables. Hébreux 4, 15. Il avait mort physiquement. Luc 23, verset 46. Et 1 Corinthiens 15, verset 3. Jésus avait des noms humains. Et n'a pas un verset pour noms humains, ça. C'est dans Luc 19, verset 10. Littéralement, fils de Dieu. Dans Matthieu 1, verset 21. Littéralement, Jésus. Dans Marc 10, verset 47. Littéralement, fils de David. Dans Matthieu 1, verset 1, littéralement, fils d'Abraham et ainsi que. Dans 1 Timothée 2, verset 5, littéralement, l'homme. Ensuite, Jésus est appelé la parole de Dieu. Nous avons ça dans Jean 1, verset 1, Apocalypse 19, verset 13. Il a été engendré par la parole de Dieu. Jésus également est appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Nous avons ça, c'est dans Matthieu, verset 1, avec 23. Il est appelé aussi Sauveur. Il est le Sauveur du monde, selon Luc 2, verset 11. Également, il est appelé Rabbi, Jean 1, verset 38. Son nom hébreu, il signifie maître ou professeur. Dans Jean 20, verset 16, nous jeune Jésus gagne un nom qui est Rabouni. C'est le terme chaldéen. Il signifie maître ou professeur en chef. Et nous jouons dans Matthieu 9, verset 11. Jésus est le maître. Décrit celui qui instruit les autres. Nous jouons dans Jérémie 23, verset 5 à 6. Jésus est appelé le Seigneur notre justice. Il est notre justice. Et ça, c'est la première partie hein, qui t'a parlé des noms et titres de Jésus-Christ. Noms et titres de Jésus-Christ. Nous parlerons la deuxième partie. Hein. Mes frères et sœurs, amis du groupe Jésus 100% lavé, bon Dieu béni. M'a voyé un grand bonsoir spécial pour fondateur groupe ça qui c'est pasteur Jimmy Charles accompagné de sa femme et m'a voyé un grand salutation pour grand frère nous évangéliste Rigueur Libin m'a saluer chaque membre actif du groupe Jésus 100% la vie qui actif frère Rio et frère Janvier, frère Marie, frère Xanor, frère Figaro toutes ces yo cette Asie c'est Rich Naika. Et moi, je veux saluer chaque monde, quel que soit. Ou pas intervenir sur ce groupe-là, moi, je connais, ou actif, parce que vous regardez les messages, et je connais actif, car le Seigneur. Ou actif dans la maison Christ-là. Bon Dieu, bénis-nous. Et un grand bonsoir pour nous toutes.
Non, pas Monsieur Fred dans ses désirs. Et après-midi, c'est moi-même qui ai une tâche pour me présenter nos rubriques et pour ce soir. Alors, moi, je dis bon Dieu, merci pour ça. Parce que c'est une grâce qu'il y fait. Moi, je dis merci pour ça et je continue à dire merci. Et alors, on va le présenter, non, à Soya, c'est la Christologie, et qui c'est l'étude de la vie de Jésus-Christ. Nous capable de un test biblique, qui c'est Hébreux 13, verset 8, et puis tout nous capable de Matthieu 44, Matthieu 10, verset 44 à 45. Et brièvement, ben moi, on tourne autour de Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bon Dieu béni. Excusez, Matthieu 10, verset 44 à 45. Il dit, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave de tous. Verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Bon Dieu béni nous. C'est ça que nous pourrons développer avec nous. C'est la Christologie, qui c'est la science qui étudie la vie de Jésus-Christ. Alors, ma prière nous en grâce. Et chaque verset qui mentionne, nous connaissons nous gain Bible, nous va faire lecture des versets, parce que verset yo, deux fois verset yo en pile. Mais pour mieux comprendre, pour saisir bien, m'a pas encouragé nous toujours lire verset que yo ba yo. D'accord, bon Dieu béni, m'a tourné. Jésus-Christ, sa personnalité de son titre officiel. Dans Hébreux 13, verset 8, Jésus porte le nom Jésus-Christ, son nom divin et humain, 100% Dieu et 100% l'homme. Et Jésus-Christ est appelé aussi dans Philippiens 2, verset 5, Jésus-Christ. Dans Philippiens 2, verset 5, il est appelé Jésus-Christ. Son titre officiel et son nom personnel. Jésus également est appelé Je suis ce que je suis. Dans Jean 18, verset 5, il est toujours présent. Dans Jean 8, verset 58 et Exode 3, verset 13 à 14, Jésus est Dieu. Les témoins de Jéhovah ont un problème avec ces versets. Témoins de Jéhovah ont un problème avec verset ça. Je suis ce que je suis. C'est le nom aussi de Jésus-Christ. Pour nous continuer, Jésus est appelé aussi le Fils de Dieu. Et trois choses importantes qui prouvent que Jésus est le Fils de Dieu. Dans le 1er verset 35, son humanité prouve qu'il a été directement sorti de Dieu. Dans Jean 11 verset 25, à cause de sa résurrection, il est Fils de Dieu. Dans Jean 5, verset 17 à 18, à cause de sa relation éternelle avec notre Père céleste.
Et Jésus est appelé aussi les fils de l'homme, selon Luc 9, verset 58. Ceci est mentionné, non fils de l'homme, non? Il est mentionné 84 fois dans les évangiles. Songez, me rappeler, nous devons évangile, parler des évangiles, non, ouais, Matthieu, Marc, Luc, Jean. OK? 84 fois, fils de l'homme. Il n'est pas mentionné dans les épîtres pauliniennes, car nous faisons partie du corps de Christ. Et nous, je n'en lis que premier, verset 32. Jésus est appelé aussi fils du Très-Haut. N'abjeunis, c'est dans le premier, verset 32. Jésus n'a pas de père terrestre. Il est monoparental. OK? On a tourné avec un autre bout encore. Oui, Frère Semyon, pour nous continuer, nous avons quelques points. Nous parlons. Le premier point, c'est la personne de Jésus-Christ, nom et titre. Nous avons l'humanité de Jésus-Christ. Nous avons preuve de l'humanité de Christ. N'après preuve de la divinité de Christ. Et ensuite, n'après nature de la résurrection et sa signification de la résurrection. Et finalement, n'après l'ascension de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ, nom et titre. Jésus révèle son humanité. Dans Marc chapitre 10, versets 44 à 45, ses noms reflètent sa rédemption et son humiliation. Jésus-Christ est mentionné 612 fois dans les évangiles. Comprenez bien. Les évangiles. Et 71 fois des actes des apôtres à Apocalypse. Ça, c'est pour nom Jésus-Christ. Jésus-Christ est mentionné 612 fois dans les évangiles. Et bon, la Bible parle non des quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les évangiles. Jésus mentionné 612 fois. Et des actes des apôtres revenant à Apocalypse, Jésus mentionné 71 fois. Pour nous continuer, Christ est son titre et signifie celui qui est roi. Christ, de Matthieu à Jean, on trouve Christ 56 fois. Et des actes à Apocalypse, au jeune Christ descend 56 fois. Pour les croyants dans les épîtres, il est Seigneur et Christ. On est capable de vérifier ça dans Romains 10, verset 9. Pour les croyants, les épîtres, il est Seigneur et Christ. Pour Jésus, à pour titre et nom, Messie. Le mot Messie signifie Christ. Le nom Messie signifie Christ. Nous sommes capables. Je nomme ça, c'est dans Jean 1er, verset 41. Et Jésus a nommé aussi, est appelé aussi Seigneur. Dans Matthieu 4, verset 7, le Seigneur désigne son titre d'autorité. C'est son titre officiel. OK, Naptoune. Et preuve de la divinité de Christ, ce qui signifie que Jésus était Dieu. Qui s'est prouvé que Jésus était Dieu? Jésus était Dieu par son nom.
Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Jésus était Dieu par ses attributs. Premièrement, il avait tout pouvoir, omnipotent. Matthieu 28, verset 18. Il sait tout, omniscient. Jean 1er, verset 48. Il est partout, omniprésent. Matthieu 18, verset 20. Il est la vie. Jean 14, verset 6. Il est la vie, il est la vérité. Jean 14, verset 6. Et par ses œuvres, Ève, Jésus-Christ, la création, Jean 1er, 3. Il soutient la création, Colossiens 1er, verset 17. Il pardonne les péchés, Luc 7, verset 48. Il ressuscite les morts. Et Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Il juge les mondes. Jean 6, 27. Il a envoyé le Saint-Esprit. Jean 15, verset 26. Ces œuvres de Jésus-Christ. Et par l'adoration qu'il reçoit, Jésus, c'est bon Dieu. Parce que nous-mêmes, l'homme, nous pas qu'à recevoir adoration. Yon zanj pa ka resevo adorasyon paske zanj lan, li gen menm misyon avro, zanj lan pa la pou resevo adorasyon paske son servite liye, il la pou servi, pou l'adore, pou l'bay louanj. Men sauf ke, diferans ou menm a anj lan, anj lan tre pisan, ou menm ou kapab pisan osi, pa le nan de Jezu Kris. Amen. Par l'adoration qu'il reçoit, les anges l'adorent. Les anges ont adoré bon Dieu et Jésus. Ça prouve que Jésus est Dieu, selon Hébreux 1er, verset 6. Les hommes l'adorent, Matthieu 14, verset 33, et Luc 2, verset 11. Tous genoux fléchissent devant lui, Philippiens 2, verset 1er. Par son égalité avec les autres membres de la Trinité, il est égal avec Dieu, Jean 14, verset 23. Il est égal avec le Saint-Esprit, Matthieu 28, verset 19. L'amour vient du Père, la grâce vient de Jésus et la communion vient du Saint-Esprit. De Corinthiens 13, 13. Et pour nous continuer, nature de la résurrection. Il est ressuscité avec un corps réel. Jean 20, verset 23 à 29. Les témoins ont identifié les corps. Jean 20, verset 27. Le corps de Jésus-Christ a été glorifié pour toujours. 1 Timothée 6, verset 16. Hébreux 9, verset 26 à 28. Signification de la résurrection. Elle confirme la relation de Jésus-Christ avec Dieu. La signification de la résurrection, elle confirme la révélation de Jésus-Christ avec tous ceux qui croient en lui. Signification de la résurrection, il est ressuscité comme prémisse et il ressuscite tous ceux qui croient en sa résurrection. Et Corinthiens 15, verset 20 à 22. Elle confirme l'imminence du jugement de Dieu. Elle désire Christ comme la tête de l'Église. Philippiens 1er, verset 15 à 23. Elle déclare Jésus-Christ comme souverain sacrificateur en présence de Dieu. Hébreux 4, verset 14 à 15. Pour terminer, l'ascension de Jésus-Christ signifie exaltation de Jésus-Christ, Éphésiens 1er, verset 20 à 23, elle garantit la place de Jésus-Christ à la droite de Dieu comme précurseur de ceux qui sont sauvés, Hébreux 6, verset 20. Jésus-Christ remplit son ministère comme souverain sacrificateur. Alors, moi, je dis merci à chaque frère et sœur qui déjà prend
les soins pour garder Biblio, ouvrir Bible non et pour nous garder verset yo côté que nous t'a présenté nous la christologie de Jésus-Christ. La christologie, c'est la science qui étudie la vie de Jésus-Christ. Et verset biblique Hébreux 13 verset 8. Ensuite Matthieu 10 verset 44 à 45. Bon Dieu bénisse.